question d'Elma 33 et kidnapping ensemble bagay sa saccagé étudiant université et côté professeur et ou bien responsable. On doit nous garder avec Baron. Baron, comment nous bah, la évolué? Situation évolue pour le moment là étudiants prend la il a fait gros manifestation, il bon l'école Saint-Luc Gonzague là, il a progressé dans télévision, il a dit objectif yo. Faut ravisser yo, libérer libérer doyen sans rançon. Et yo dit c'est trop à tort. On pays pas qu'a gagne tout problème ça yo et gang et puis que malheur a victime yo même étudiant yo, yo dit que doyen pas gagne moyen et objectif yo c'est bloquer Delmanet au moins pour ravisser yo, qu'a gagne conscience pour libérer doyen. Pour le moment là, il y a progressé bon et Saint-Louis de Gonzague là pour y aller devant télévision nationale, puis aussi pour faire voir au passé. Et parlez-moi non, c'est vrai que l'université à Delma 33, c'est vrai que c'est étudiant mais gain parents, gain tout monde cap et m'te cap dou habitant et monde qui habite Delma 33, environnement et université hein. Et est-ce que on peut rejoindre, est-ce que l'étudiant peut rejoindre ses coups et m'te cap dou population pour aider ou dans manifestation? Bon, moi-même d'après ça moi en tant que témoin oculaire et moi ouais gain en pile monde là qui pas semblé étudiant il se que groupe la main forte par étudiant parce que moi yo dit même concerné parce que monsieur qui kidnappé mon yo par yo kidnappé tout le monde je dis à ces doyens de monsieur monsieur même que dans la rue et ça fait après gain monde m'a regardé t'a entrer dans manifestation et maintenant commencé que nombreuses par rapport de étudiants et l'autre monde qui a passé entrer qu'a fait une revendication par au passé et me senti que de au fur et à mesure gain l'autre instance qui a entré dans manifestation qui a fait l'autre revendication parce que moi étudiant en délibération gain mon manifestation qui a relé à bas Jovenel à bas référendum ça veut dire que c'est une manifestation et au fur et à mesure qui a progressé parlez-moi de comportement parlez-moi de comportement commissariat et est-ce que l'assister mon étudiant pour sécurité ou bien que il était dans commissariat? Non, et premièrement, bon université bon université là dans Delma 33 et TGK où tu vas mais la police paraît et étudiants font répression. L'homme de répression est pas avec roche. Ils ont campé devant quand tu derrière aussi la police pas peut passer. Bon la police gère ça, la police obligé virer après ça au lumière quand tu vois. Et mais la police virer la police aller. Pour le moment, il y a la lambe présence la police. Et si tu fais deux heures, je fais deux heures pour pas faire deux heures parce que pas une présence la police. Ils ont manifesté pacifiquement sans ça mais pied bois ouais fait bois non mais en l'air il y a et puis moi gain l'autre monde et puis on défile monsieur moto tout qui derrière après on m'a porté la main forte avec étudiant Brown. Alors puisque on parle de les 400 dans quelle zone nous kidnapper professeur et gain c'est dans zone tabac yo prend professeur. Ah OK dans zone tabac parce que c'est fini monsieur d'appiner université et puis yo mail mais faut me dire toujours et 400 maozo a éparpillé école en pleine là et tout nan remi, tout nan Kafoumansa, et 400 maozo a multiplié Joël pour gagner contrôle périmètre, même Kafoufloyo. Et bien yon nouvelle que Talen a rubri Paul Ghetto, m'a pas l'expliquer que dimanche passé, qui ça, monsieur 400 maozo te fait dans tabac, qui vraiment dit nan Paul Ghetto que m'a l'expliquer ça. Et dans moment là, m'a dit que manifestation a élargi, a de plus monde, et m'a senti que m'a pris un plus gros force. Qui direction vous faites? Alors qui va vous aller vous-même? Delma 33, objectif est aussi à privé bonne télévision, hein, puis vous bloquez autour de Delma. Ok. Eh bien, restez là, de temps en temps, faites nous connaître ce qui a passé. Évolution, d'abdou manifestation, mettez-nous au courant, ok? Pas de problème, studio, pas de problème. Ouais, c'est pays de Josué, c'est pays de Josué. C'est réalité, en tout cas, c'est réalité, hein, et... Jean Well ce matin et c'est comme ça y est. Chaque jour on bagaille, alors on bagaille en plus hein? Chaque jour on bagaille en plus et pays a li invivable et bon Médor Valdé dit li les pays a pas administré les pas gouverné c'est le constat hein on est capable fâcher l'entendre mais c'est un fait bon qui ça cap diriger là hein? Qui ça cap diriger et bon, avantage ou bien loukrele nous non parce que n'a pas essayé l'eau là nous on a un gros problème et quoi relé nous non et ça t'a voulu dire que et ou pas bien j'ai de paix pour faire constat ça non on va bien j'ai de paix
de vous garder ça qu'a fait là. Et au grand minimum de bon sens, on va voir question administration, question et chef cap. Non, on sait quoi. C'est un paquet de monde qui vivent dans l'espace. Un groupe de monde qui vivent dans l'espace. Non, non, c'est ça l'a constaté, mais question de leadership, question de autorité, monde qui prend décision. En tout cas, bah, bah, ça. Alors, en tout cas, nous pas well, nous pas constaté, lui. Et bon, Look qui même te gon mol vle passer et gen lè ou met trele mbak parce que moi pas ka passer moi même en tout cas. C'est la réalité bien matin. En tout cas. Bon, laissez pays ou gen pays ou et donc ou pas ka passer en dehors de ça ka passer dans pays ou. Et faut qu'on vive avec elle. Mais ça qui est important, c'est essayer de comprendre. Pour vivre avec elle, faut qu'on essaye de comprendre. Donc c'est sa question. Hein? Donc bon. Eh bien, bon. Et gagner un coup de plume, m'a regardé en réflexion. En réflexion de un citoyen haïtien. Qui pas dans pays hein? Mais qui chaque jour qui font réflexion c'est ça c'est les long tasse café mais c'est un café civique mais gon réflexion que Mettera Louis hein? Mettera Louis a fait lundi hein? Que m'a regardé m'a séparé là avec nous. Et puis, les collectivités territoriales, la décentralisation et les rôles des partis politiques. La haine n'a jamais rien créé. Mais titre là. La haine n'a jamais rien créé. Dantès Bellegarde, qui te dit nous ça? La haine n'a jamais rien créé, Dantès Bellegarde, contre la haine. Cher. Et chers compatriotes, certains hommes et certaines femmes cultivent la sagesse, d'autres la tolérance. D'autres, enfin, ne jurent que par la haine. En politique, ces derniers rangs aveugles tuent le civisme et engendrent la violence. Rien n'est plus désastreux pour un couple. Une famille, un quartier, une collectivité territoriale, un pays que la culture de la haine. Cette culture, tôt ou tard, nous imprègne et devient une habitude ou une seconde nature. À mon avis, cette attitude détruit notre objectivité, notre capacité des négociations pour chercher un compromis, un consensus ou un bénéfice de la République et du bien-être collectif. Au lieu de nous laisser exacerber, d'une part, par la colère des artisans de la haine, d'autre part, par l'obstination des défenseurs d'une faction des privilégiés malhonnêtes, je pense que les citoyens et les citoyennes favorables à la tolérance politique ont une obligation civique devouée par le maintien de la paix. Article 52, Constitution amendée. Aucun étranger, aucune institution internationale ne peut assumer nos responsabilités. Du 17 octobre 1806, la création de notre bicolore, la bataille de Vétières et le 1er janvier 1804 ne sauraient faire les frais de l'esprit de parti des dirigeants politiques intolérants, patriotiques, salutations et à Louis,
Nous gagnons Louko Désir qui souligne Josué. Voilà, nous gagnons Louko Désir avec nous. Louko Désir, comment nous y est? Bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour, je suis l'étudiant et je suis content de faire une bienvenue dans tout le matin. Grand bagaille, on a un grand matin de battre là. Pierre Emmanuel, que me saluer, qui a une responsabilité dossier des EPJ. Mon cher, pendant mandat, moi, tout le monde sait, il a demandé contre Louko, contre Louko. Mais si, là, nous avons demandé contre Louko. C'est le même bagage là. Qui est-ce que tu as côté privé? Je ne suis pas capable de dire pour me mettre dans tout, je ne suis pas capable de dire pour Josué. Pour moi, il y a même. Bon, après, il y a un moment de bouffer chaque jour. Quelque chose à côté malade. C'est le même genre. Là, il faut côté. C'est pas demandé pour Louko. Ça veut dire que l'émission va marcher. Oui, oui, oui. Et Josué également. Yo, voilà. Il faut côté demander pour Louko. Bon, il demande pour Louko, il demande pour me mettre dans tout. Monsieur, comment nous est? Bon, faut que je me dise que. Maintenant, moi pratiquement donc empêché parce que mon dossier m'a pris là qui est important donc pour l'équipe de Haïti Mabétine également l'équipe de Golcash donc pratiquement sur le terrain et moi pas vraiment pour le reste, ok, mais faut me dire que c'est surtout tout là là donc c'est matin débat matin débat matin débat vingt tourner et en religion que matin à tout qu'est causé dans le pays je suis le président qu'est causé dans le pays dossier insécurité. Le secteur privé est paniqué. Le secteur privé des affaires est paniqué, mes matins à tous. Ah oui, avec des quoi? Ah oui, le secteur privé des affaires est paniqué et également divisé sur la question. Avec si c'est bon, on va me répéter bon, monsieur. Dossier insécurité, le secteur privé est paniqué et divisé sur la question. Alors, sur la question, sur question insécurité? Sous question insécurité. Yo paniqué parce que ouais, ça a passé Matissan hier, ça a passé dans Badelma, question ouais. Déchoucage business. Est-ce que là? Oui, oui. Et, devant de la doute, génération dans le secteur privé a cap un coup. Semaine là, c'est génération 40 ans. Donc c'est des jeunes garçons. La génération montante. La génération montante. Et génération ça, pas gagné rien pour louer la question politique. Ouais. Gilles, je ne connais génération avant loi qui est impliquée dans la question politique. Quand il y a génération 40 ans, il y a camp en face, génération avant dans le secteur privé, et puis il y a 10 messieurs, il n'est pas possible parce que génération 40 ans qui est dans le secteur privé, il y a connu que dans plus de c'est monsieur qui est dans la génération avant qui va dans le pays. Aïe, aïe. Le coup de l'État parle dans le pays. Bon, répétez-vous nous. Ok, le secteur privé des affaires sur la question de l'insécurité en Haïti est paniqué et divisé. Il est paniqué parce que ça a passé là comme situation dans Matissan également dans Badelma côté que bandits a défouqué business, ça a paniqué yo. Et gendé là de retour, même si yo pas défouqué business, personne va gagner. Ouais. Ils ont pas ouvert. Ils ont pas gagné. Du nord, du point couteau, ils frappent tout. D'une manière ou d'une autre, pas couteau, et puis, ils ont une pratiquement dans la drogue, parce que les différents prends, quand ils camarades, mais il faut mettre le babou à la drogue. Ouais. Et génération businessman, génération secteur privé, ça, c'est génération qui est 40 ans aujourd'hui. Et qui pas d'accord, que maintenant à toutes, à chaque génération avant dans le secteur privé, à cette politique en pays, et génération 40 ans, il parle de question politique, dire que, je dis, génération avant ce qu'on a fait. Ils ont divisé. Parce que yo pas d'accord, parce que yo connaît que ces générations avant le secteur privé qui va examiner l'IA à donner le droit pour créer sa gueule là. Et le gouvernement qui a parlé de l'IA là. Ah bon? Et pour qui ça va paniquer tout? Blanc, vous avez une question et vous avez une toute? Ah bon? Parce que vous avez les États-Unis d'Amérique, ma bonne bouquille, ils ont les États-Unis d'Amérique pas qu'à quitter Haïti décoller. Mais il n'y a aucun Haïti, le code pour le pas. Donc, les situations qui vivent dans le pays, je dis,
on prend États-Unis, faut appeler la paix. Ça qui vient là, tout, faut moins que l'Ili avec question la Russie, alors. Là, ah, oui. C'est depuis là, la Russie fait déclaration, dit que le gars est derrière la question de la gang, les États-Unis commencent à bouger l'école. Ils commencent à bouger l'école. Quand il y a États-Unis, il y a là. Mais bouger quoi, Aloko? Qui ça le fait de concret? Non, attendez, je vais vous donner information pour vous. Maintenant, bouger quoi là? On voit que Guédenec, qui est dans le secteur privé, ou des dialogues qui sont confinés à la manifestation, et puis les États-Unis disent, écoutez, à partir de l'audience, on ne va pas financer la manifestation encore. Ouais. Ok, il y a des retours, ils ont coupé. Il y a des retours menacés, puis ils ont même coupé les résidences, madame la petite qui est là-bas. Ok? Et bien, je veux dire, dans le secteur des affaires là, les gens paniquent, parce que le blanc va là-bas. Question 11 familles que Jovenel Moïse n'est pas au courant sur question Zamio. Moi, dis ça à son maniquette. Ok? Parce que je dis à la, si le président de la République a mis une commission sous pied, et puis commission par un ministre, ok, qui était là, information qu'on a. Ça va gagner. Par rapport à Paris, les jeunes. Il va gagner? Est-ce que là? Ça va gagner. C'est une commission présidentielle, c'est le président qui mettait, il s'est arrêté, il monte la commission. Le premier monde n'a pas rapport, c'est le président. Bien sûr, ok. Mais maintenant, rap qu'on est, ça qu'on est maintenant à tout, Marek Maï a arrêté là. Parce que il y a des choses dans le secteur privé, ok. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de faire encore. Il n'y a pas de très paniqué, il n'y a pas de diviser sous question de sécurité pratiquement dans le grand pays. Information. Information. Hier, tu es maintenant à tout. La police débarquait dans la boule 12. Et 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Ça dit la aïe aïe aïe. Information. Il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Donc la police attaquait bandits dans la boule 12. Et je dis encore qu'il y a une opération de la police dans la boule 12. Koulia même. Et monsieur, paniquez maintenant dans tout. Maintenant, la question. Est-ce que qu'on y a-t-il appris avec Iso pour renforcer la boule 12? Non, assurément. Ok. Parce que même Chris Labgoumé, alors sous des fonds, Labgoumé en bas, Labgoumé en l'air avec Negio, et bien c'est ce qui est Negio qui a la boule 12. Voilà. Maintenant, on a pris un bon noir, mais moun la boule 12 commence en tigeant et tête faite parce que hier, la police débarquait. Effectivement, il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Il y en a deux, c'est le chef là. Qui est le combat, donc il y a tant de bonnes, ça a passé aujourd'hui, dans le cadre de nouvelles opérations, la police a mené la boule 12 aujourd'hui. Alors, comme ça, mais qui dit tout, la police a mené une opération tout dans Rémi, dans zone côté, et 400 Marozo, lui-même tout, il a opéré. Oui, quoi la bouquet? Parce que c'est un gros problème entre l'homme sans jour, avec un certain sévère. Ok? Et un certain sévère. Sévère là, il y a les cette année qui est proche Yon. Qui c'est tête et Katsama Ozoa, qui je dis à donc qui est en prison, et donc son bataille qui pratiquement entre eux. Même Jean-Evin Sundabdi d'aller là, son bataille interne. Okay? Bataille interne. Et l'homme s'en joue débarqué dans Rémi, et monsieur ramasse le monde, et puis il fait ça pour le faire, donc et puis il installe les bases dans Rémi, et puis il installe les bases dans la cité de Doudoun. Donc dans ce moment-là, la police a peine. Mais faut moi d'autres, quoi là, vous gagnez chaque jour. La police est tirée, il y a un nombre de bandits. Bon, on l'a pas parlé dans la presse. Ok. Ok, on a quatre ans, oui. Et parce que chaque jour, oui. Mais le barbare, on se dit là tout, et Louko, et 400 Marozoa là tout, il y a une enquête de territoire qu'on y a tout. Il y a établi tentacule là, sur toute zone pleine, sur toute pleine là, et il y a mis et pied dans chaque zone. Information, Josué, l'équido. Information, permettez à toutes. Information Esaü César. C'est 22 foyers de gang qui n'est capitale là seulement. 22. N'est capitale là seulement. Seulement. Aïe aïe aïe. 22 foyers de gang n'est capitale là seulement. Ça nous est comme si Matisse hein, avec Villa de Jésus. C'est ça. Non, c'est 22 gangs dans la capitale là. 22. Ça nous c'est ça au monde plus connaît. Oui. Si vous avez Villa de Jésus. Mais c'est 22. 22. Ça veut dire que dossier sécurité pays d'Haïti a son gros dossier lié. Ok? Monsieur, la police, dans mon on a parlé là, faut que je dise que les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont et comment ils ont fait ça? Prime 2. Ça a barré, reprenez encore. Policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont fait le prime de risque.
dernière information. Tout policier qui était dans l'opération, boule la caille barbecue, vous songez les deux policiers de Mouyamba? Ouais. Tout policier qui était dans l'opération, boule la caille barbecue, il va avoir une promotion et puis il va avoir une prime de risque. Alors, mon c'est des images tout côté la côté il y a des policiers qui chita avec examen mais comme si t'as du tabou non bataille là bien entendu la police pas communiqué et semaine ça même et image ça yo montré et bah là alors goumé en raid en bas dans Delma José Lexido information pi raid information. La police fait renforcer par des experts. La police fait renforcer par des experts. Non seulement ça. Est-ce que vous connaissez que, comment est-ce que tout, 15 blindés, Jovenel Moïse a acheté l'autre jour là, c'est 2 millions coûté en total. 15 blindés a coûté 2 millions de dollars en total. Là, je dis ça. Comment blindé? Comment 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars? Il dit pas un blindé même. Mes amis. Charles-José, pas un blindé même. Parce que 15 blindés qui a coûté 2 millions de dollars. D'ailleurs, où t'es résultat, le premier test, c'était pour la première fois, puis t'es pour. Le premier vote est bourré. Ouais, le premier vote est bourré, où t'es résultat. Est-ce que là, comment 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars? Il dit pas un blindé même. Pas un blindé. Et ne t'es pas allé de Saloukko ici, hein, comment faire des matériels pour la police? Ce n'est pas des experts de la PNH qui achètent, ou du moins conseillent, ou du moins fait acquisition. C'est des civils, le palais national qui eux-mêmes ont fait. Et c'est pour le palais national, et le président Jovenel Moïse m'a conseillé dans la question de blindé. Parce que comme la fête devient l'air, tout le monde connaît l'histoire là, ça déjà. Ouais. Ok? L'argent blindé, 15 blindé, tout le monde connaît l'histoire là, déjà. Information pour la rapide, c'est-à-dire, non, monsieur, qui est 11 dizaines de blindés qui ont sorti Montréal dans le cabinet. Sortez-moi! Pour 10 dizaines de blindés qui ont sorti Montréal. C'est quoi ça, un bon bagage? Dernier niveau! Blindé pour la guerre! Bon bagage! Avec support américain, mon frère! Bon là! Bon bagage! Attendez, quand vous êtes là par avion! Ah, bon bagage! Donc ça veut dire, monsieur, mes amis, madame, monsieur, vous remettez le débat, c'est marqué le débat pour nous entendre, parce que c'est nous qui avons vérifié. Pour patience! Ok, j'aime te dire le matin de débat pendant ce moment-là, donc il faut nous faire un petit sacrifice. Ok? Parce que avec le renforcement, la police, ça a tiré là qu'on y a là. Ils vont marcher sous l'ISO, ils vont marcher sous Granville, et ils vont marcher sous 4 Marozo, ils vont marcher sous toutes les gangs qui sont battus dans la capitale. En tout cas, il n'est que d'attendre que les populations vraiment des locaux et pas capable encore et ils ont à bout de souffle parce que écoutez, il y a des gens qui sont là chaque jour ils mangent. Et si la bataille est faite, j'en dis, on demande de prendre patience, que vous prenez patience, et puis la bataille est faite, ils ont libéré le pays de gens vraiment qui empêchent les gens de vivre dans le pays. Loco. Et j'en dis à José Le Kitop, et bien maintenant, tout si vous conseillez à Bainek par les nationaux, monsieur qui n'a président Jovenel Moïse, font tout temps soit faire la courant, soit faire la route. Oui. Priorité à la sécurité. Ok, reste tranquillité pour le président Jovenel Moïse là. Faire battre les défis, question de sécurité. Oui, ça c'est son priorité. Attendez, peuple haïtien, je dis à mon bon matin. Combien de pays bien matin? Quel peuple haïtien qui met son courant, qui met son route, il va vivre? Il va mourir pour ça, ouais. Il va mourir, mais insécurité, même si il y a un courant, comment la faire marcher? Non, pas de pire conseil, non, de cabaye là, et loukou. Parce que là, parce que dans le moment là, il n'y a pas courant, on préfère que nous restions dans le blackout, j'habite avec elle. Et pour voilà. Les gens qui ont été sans courant, parce qu'ils habitent avec eux, pas mourir, au lieu qu'ils aient perdu la vie, et chaque jour, on va couper ça, m'a dit. Donc, il faut que tu aies une question de propagande et route, pour que tu aies une question de propagande. Il faut que tu aies une question de propagande. Je dis, il y a un défi, question insécurité. Donc, si je veux dire, quitte ma obéir, Est-ce que si moun yo wè politique ça compte paysan
yo même yo ta remè fè un lot politique. Est-ce que côté contradiction est là? C'est parce que c'est parce que ça Bernard Donato. Tu n'as toujours dans le secteur privé. Parce que même mal avec eux donc de temps en temps. Dans le secteur privé, il y a deux classes, il y a deux groupes. OK? Il y a quatre catégories dans le secteur privé. OK, le secteur privé des affaires. Il y a quatre groupes, il y a quatre catégories. Une catégorie, c'est des conservateurs. OK? Qui est la République du Valier et puis qui là, on a dit c'est des conservateurs. OK? Qui ont l'autre catégorie, ça c'est la deuxième catégorie, là, qui c'est des progressistes. Conservateur, lui-même, il va le pays à changer lui-même. Voilà. Ouais, mais comme dans le même privilège de Gensou du Valier, pour le Dougain, qui a fait parler, le changement pas pour lui. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, nouveau monde vit dans le business. Il est confortable, il n'est pas d'accord. Dans ce secteur privé, il y a des conservateurs. Conservateur, lui-même, il va en faire pays avant, ça c'est à faire intérêt, à faire intérêt famille, à faire intérêt couple, à faire intérêt classe. Et puis, il y a des progressistes. Des progressistes sont appelés des nègres qui font business dans le secteur privé. Ils ont ouvert business, non? Ils ont invité notre petit nègre classe noire dans le business. Pourquoi un nègre autour pour notre discours? Les progressistes du secteur privé. Est-ce que là? Ok. On prend tout nègre autour, bon équipe, marchandage, je parle de 9 pays, après, vous avez fait de la montée des sons. Les progressistes, vous avez fait de la ok? Donc, vous avez les progressistes du secteur privé, vous avez mis le pays à changer. Et il y a un gouvernement ville là-dedans pour faire attacher malheureusement jusqu'à présent pour capable de résultat. Troisième catégorie, c'est les anciens, en fait, côté du conservateur et tout, les anciens, en fait, l'ancienne génération, est-ce que là? Et puis quatrième catégorie, c'est la nouvelle génération. Est-ce que là? Mais la nouvelle génération, il parle bagaille au même genre avec ancienne génération. Et nouvelle génération, toujours dit, il n'y a pas oublié, les pifres peuple à tout. Parce que pas oublié. Ancienne génération, maintenant, tout, il y en a d'autres qui partent même de faire l'école en Haïti. Ouais. L'ancienne génération. Ça, c'est clair. Cela va aux autres côté aux autres, ils viennent là, et puis ils vivent, ils installent. Mais la nouvelle génération, ils étaient Saint-Louis, ils étaient lycée français, ils étaient dans l'école à terre là, avec Tinek. Est-ce que là? Ils ont plus imprégné dans terre. Donc, ils ont plus près de la tout que l'ancienne génération. Donc, nouvelle génération, eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont essayé de garder tête face à pays. Et quand pile bagaille que l'ancienne génération te qu'on fait, on voit que les nègres dans la nouvelle génération, c'est que le privé qui n'est pas d'accord avec eux. Et il y en a de eux, c'est à faire question aux hommes. Parce que dans la nouvelle génération, quand pile qui connaît tout que c'est des nègres dans l'ancienne génération qui baillent les âmes dans le pays, qui distribuent les âmes dans le pays. Ok. Ok. Et la nouvelle génération, qu'on y a la plaie, parce que le business a casé. Par exemple, le business a casé et il n'y a pas d'accord politique. Est-ce que là? C'est pure business qu'il a fait eux-mêmes. Il y a même fait ça pour le business. Mais tant qu'on ne va pas parler de la politique, et le grand-mère de la politique, pas parler de la politique, on a dit ça. Et pour ça, peut-être qu'on s'est engagé à ce qu'on fait. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bon, non, bye, non. Et où qu'on est que gagné, Titoni, c'est Vob. Oui. Et après que le gouvernement te font guerre avec Dimitri, mettez-le dehors, et Titoni te vient parti. Est-ce que Titoni t'a quitté le pays en tout? Bah, je me connais qu'il est retourné. Mais ça qui passe, il y a gardé que Babekou t'a gon révolte contre Dimitri et Titoni c'est cousin et cap de Dimitri. Et il pas de clair selon moun qui fait analyse, c'est même bataille c'est contre la famille Vob. Est-ce que d'après vous même vous jeune sur ça tout? Dans le dossier Titoni, il faut que nous Titoni, c'est avant l'ité Vob. Attendez, avant Titoni, l'ité Vob, l'ité PHTK, l'ité Matéli. OK? L'ité Matéli. L'ité n'a pas de PHTK, mais l'ité Matéli. OK? Yeah. Et Titoni, candidat à la présidence, c'était sous garantie présidentielle de Matéli. Ah bon? Maintenant, c'est Wilson là, lui-même, qui a fait interview, où que Titoni et Dozeni. Et Kaouli. Kaouli, Titoni et Dozeni, Kaouli. Ils ont tous été candidats à la présidence. Même équipe là. C'est de même pas qui dans même équipe là. L'équipe de Martelly. Maintenant, oui, ils sont là, Loli même. Celui qui a fait audition, il a fait interview à Negio. Comme lui, c'est Negio et Nord-Ouest ou même Maron Negio Bolia. Mais il y a une relation avec Jovenel Moïse. Et que Jovenel tout, ou capable, Jovenel tout.
intellectuellement et techniquement, ok, t'es bien préparé que Nagyo. On a tout le Nagyo tombé dans l'interview. Est-ce que là? Donc, Titoni vient voir parce que Titoni, c'est un ami Dimitri. Je dis là, c'est pour Dimitri. Donc, notre question business. Mais, magasin Titoni qui barbecue en raille, politiquement, le grand bagaille. Parce que, au monde qui a regardé, le cadeau que je dis à ce pouvoir qui veut écraser magasin Titoni parce que Titoni a un rapport avec Dimitri Vob. Parce que toi, comme on est d'accord, ce n'est pas des choukas, ça, c'est des vols. Mais parallèlement, ça, madame, monsieur, vous n'avez pas fait débat. C'est lui qui a parlé là. Parce que le jour où maman avait donné une émission, ça nous a quitté le 20 000. Il était dit ça. OK? Maintenant, politiquement, des choukas, magasin Titoni, les jeunes paraissent, mon cap analyse de tout. L'éclair, parce que je ne sais pas ce que je veux dire. Mais oui, je est-ce que nous connaissons que je veux dire très intelligent? Qui est le Jodia qui a fait politique? Moi, même, il y a 86. Aussi, il n'y a pas qui parle de la guerre dans les peuples, il ne peut pas prendre. Non, c'est pas la même époque là. C'est pas la même époque là, monsieur. Comme si Yoni Kopena a joué sur Maga et puis après ça, en bas, il y a négocié en bas. Nos peuples, on est. Est-ce que là? Maintenant, des choukages, Maga, c'est titonien. Tout le monde clair, ça a fait l'équipe politique, ça a fait l'analyse politique. Livine paraît. Que c'est Jovenel Moïse qui voulait écraser le magasin. Pour question Vob. Alors, il y a une question qui t'a parlé, et puis Anthony était contre la manifestation contre. Oui, pour question, Dimitri Vob, et que Tizoni était contre les financiers, les manifestations, mais comme ça. Ok? Mais bien, maintenant, tout parallèlement, tout. Parole qui vient de la question de Souka Magasin Tizoni, il y a une question que Tizoni, en faillite, il y a une dette à gauche et à droite, donc magasin de Souka, suspension scapé. Il n'y a pas de est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de là, c'est nous qui vous connaissons. Comment on a fait le jugement, ou même capteur d'émission à ce débat, quoi qu'on compte, comme non, c'est la gueule. Vérité, là, il y a quand même un jour, ou bien l'autre. Ah oui, ah oui. Ok? Pays, il n'y a pas de jour, ou bien. Oui, un jour, ou bien l'autre. Maintenant, pour qui ça je dis, la question que nous devons se poser, madame, monsieur. Pour qui ça je dis, Américains ont supporté le président Jovenel Moïse. Il y a au courant que il y a des nègres de secteur privé qui financent gang, que des nègres de secteur privé qui baillent gang, zam, que des nègres de secteur privé qui n'ont trafic zam, le trafic munitions. Il y a au courant. Maintenant, la question aujourd'hui qu'on doit poser pour Josué. Pour les Américains pas intervenu. Ouais, directement on dit bon voilà. Le signal doit venir d'Haïti. Ma bon il est qui clair. Eh bien, madame, monsieur, vous n'avez pas un débat. Le cas du dossier de Dimitri Vop. Pour qui ça d'abord même, Dimitri va extrader là en Haïti là. Et Jovenel Moïse, il va être le défi ça pour Dimitri dans la fin de la question de la justice là. Qui s'est passé? Les Haïtiens font action. Ils font action contre Dimitri. Il dit, ben, moi, je m'a cherché. Je ne l'ai pas. Qui sont les Américains fait? Américain va arrêter Dimitri Vob sous base la justice haïtienne qui a cherché. Non. Quand tu avances sur le dégât, comme Américain lui-même, comme Américain était permis dans toute l'affaire politique avec Haïti, comme Dimitri était contre dossier immigration qui pas clair, il va profiter qu'il y ait même en prison pour un jour sous dossier immigration. Est-ce qu'on a? Ouais. Il y a même dans la prison pour un jour sous dossier immigration et puis il se dit, monsieur. Ah, tu goûtes sous bas cola, on va descendre Haïti. Mais alors, parallèlement, il doit profiter de côté ordonnance. Côté ordonnance sous dossier Dimitri, l'imam Sotino, non? Qui juge qui a baillé dans le pays là? Et depuis ordonnance sorti, qu'on a l'État haïtien pour réagir, et puis Américain pour réagir tout. C'est pour montrer, madame, monsieur, c'est ça n'a pas parlé hier à José Lexidon. Blanc bagaille la vie de là. Non, rien. Oh, Tout nègre. Ouais, il y a pas appétit pas yo. Il y a pas j'ai appétit pas yo. Comment dire? Mais on est qui pas américain. Les États-Unis pas besoin d'agir avant sans l'autorisation, sans la permission de l'État haïtien. Non mais parce que son pays a l'ordre lié. Son pays a l'ordre lié. Il n'est pas intervenu n'importe comment.
Depuis que vous interview, vous avez rencontré avant soir avec eux personnellement. Exactement. Ouais. Maintenant, question on a pour ce président ou vers Fantou Bay Blanc, ça c'est où même Givel. Sous le monde pays, c'est où? C'est où? Et blanc pas sort lui-même, sort qui va investir qui va prendre. Et Léo Mandeo, Louko, c'est où pour qu'on est pour Babay? Ou même, voilà, c'est même qui connaît qui vous babaye. Léo Mando, c'est où connaît pour babaye. Yeah. Yeah. Que soit avec une bonne pause comme Nadou, en cher, ou on est dans un bon gaz blanc, parce que vous l'avez sous pouvoir, tout ça blanc, bon, et Mando dit, yes, Mr. Bleu, blanc peu, mais pas oublié, laissez un peu, blanc pas comme avant, non? Non, le pape comme avant, d'ailleurs, histoire nous montre que, yo pas jamais qu'on parle avec nous, vrai, avec président, vrai, du moins, il a servi avec nous pour prendre jouer des intérêts par eux. Très bien. Et hier matin, nous sommes sur question. Et c'est là encore moi, je suis un sénateur Jacques Sauvageon. Il faut qu'on dise que l'interview Jacques Sauvageon hier matin, ils font carton. Ah oui, ils font gros bruit à travers le monde. Yeah. Et comment ça le matin? C'est là, je suis d'accord avec le sénateur Jacques Sauvageon, que nous-mêmes, c'était positionné dans le matin débat. Et peuple à capitaine du matin débat, je dis, hein, écoutez, prochaine élection, faut voter des gens qui ont caractère. Ouais. Des gens qui gardent des blancs, j'ai un jeu. Clair. Ok? Moi qui garde des blancs, j'ai un jeu. Pour dire non, pas de ça, mais ça me et blanc pas de problème avec ça. C'est ça pour nous dire. Oui. Blanc pas de problème avec ça. L'op défendre pays ou l'op défendre sauvé. Non. Ok? Et puis, mon qui va mettre l'op dans le pays à tout. Ouais. En tout cas, monsieur, qui est là, on va mouter nous, qui est là, monsieur. Bon, bagage. Merci à vous. Voilà. On passe à la 19. Prudent. Non, il va aller dans la capitale là. Et sous plage, je vais aller là-bas. Voilà. Et bon, de même que nous gagnons. De même que nous gagnons, on t'y parle pour nous le faire. Et avec oui, il paraît que on flash là ou après le baron et c'est le nom bacla parce que là on va le passer à l'autre monde, on va l'entrer mi balais et on va regarder question générateur et l'hôpital là te joindre. Mm-hmm. Qui est-ce qui te voit là et puis pour nous regarder si nous cap parler avec Abel moi ingénieur André Gédéon qui met fois et c'est relim là va le font petit parler avec eux n'a poursuivre et c'était responsable technique secteur populaire tout bas on a mon problème. Mm-hmm. Hein? Et moi gagne un petit parler m'a fait avec Yvon Jérôme. Mm-hmm. Sur quoi après dis moi quoi non fini là on m'a dit eh ben OK j'ai moi là va le font petit parler avec Yvon Jérôme, homme, n'a échec. Oh, et pas mes échecs.